Salut à tous, c'est Mister Freeze. On se retrouve donc avec Sean et Chaos. Je vais juste vérifier. Parce que je me rappelle plus, là ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré. Blade Soul, Golden Dice, ok. Ok, c'est bon. Et lui, on lui avait mis sa technique. Oh, c'est pas celle-là, c'est celle-là. On dirait le bloc qu'il doit faire. Ok, et il faudrait qu'il ait 600 points, il en a 548. Ah bah cool, il pourra bientôt le faire en x2. Ok. Ça, c'est du fer ou du nier, ça? Angel Blow. Ah, donc c'est que à distance, ok. Ok, bah il lui manque juste 50 points, ça va aller vite. Bon, mais c'est parti. On arrive à la fin du donjon quand même, hein, qui est quand même très long. Vous serez d'accord avec moi là-dessus. Et après, on va avoir toute l'équipe qui va se réunir. Comme vous l'avez vu, ils sont tous tombés. Donc, on va tenter comme ça. Quatre-vingt-quatorze PV. Je vais pas le tuer. Je vais plutôt affaiblir les autres. Et on va essayer toutes les tuer en même temps après. Non, en fait, j'ai fait de la merde. Je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis l'attaque de zone, je crois. Ouais, c'est sûr, même. J'ai fait de la merde avec, avec Chaos. Ok, donc ils font des attaques, des trucs de foudre. C'est lequel là qui a augmenté son truc? C'est lui? Je vais faire double Lunarcile du coup, je pense, parce que j'ai pas pris. Ouais, putain. J'ai pas dû faire double Lunarcile du coup. Parce que j'ai pas mis le. L'attaque de zone. Donc là ça va pas le tuer, il va me défoncer. Sinon je les aurais tous tués d'un coup là. 92 PV, 194. 242. Alors attendez, il y a. Ouais, normalement si Chaos il attaque après ça. Ça devrait le faire. J'aurais dû la soigner aussi au. Point de sauvegarde, j'ai oublié. Et la fois qu'il y a Chaos. Eh mince. Dommage. On pourra pas tous les tuer sur la pièce. Bon, je sais quoi, je les tue. Allez, je les tue, tant pis. C'est pas grave. Alors, hop. Bon, c'est un total fiasco, voilà. Ça va pas du tout. Je la respite pas parce que je me dis peut-être que. Je sais plus si les points ils sont partagés entre tous les membres de l'équipe à la fin du combat ou si c'est. Si chacun prend la même, même s'il y en a un qui est mort. On va voir, on va vérifier. Non, je sais pas si j'ai moyen de le savoir parce que jamais combattu ses ennemis en fait.
Ah, il manque 10 points encore. Ouais, on sait pas si c'est partagé ou pas. C'est pas grave. Alors, on va pas utiliser d'objet, non, on va soigner avec l'éther. On l'a plus de PM, mais c'est pas grave, parce qu'on va retourner au point de sauvegarde après. Y'a rien là? Ah. Carte PMD. Voilà. Petite biosphère. Et on va remettre la bonne technique à Chaos cette fois. Vous devez vous dire qu'est-ce qu'on a pris comme drogue. Je vous avoue que c'est assez déstabilisant. Mais non, non, c'est. C'est normal, vous en faites pas. Je vous rappelle qu'on n'est pas dans un monde réel. Hein. Mais dans un mélange des souvenirs. Des souvenirs de Chon et de Chaos. De Chon et de Junior. Captés par Cosmos, donc c'est un peu compliqué mais. Ah ouais, il a beaucoup de PV lui. Ah oui, c'est le genre d'ennemi, ok. Je vais juste faire ça. Ah mince, je pensais pas le tuer. Ça, il a laissé son point. Yes. Voilà, et on va garder cette attaque très très longtemps. Par contre, ça remplace le Narsil, c'est un peu chiant, mais... Parce que c'est attaque à distance. D'ailleurs, c'est de quoi comme type? Air Spirit, et ça? Line Spirit. Ouais, les deux, c'est Spirit, donc finalement... Ouais. Ça fait même type de dégâts. Alors, il y a peut-être une qui fait plus mal, parce qu'elle est... Elle est que sur une personne. Alors, je sais plus comment on fait pour aller là, par contre. Ok, en plus, là, il y a la pièce sur le prochain truc. En plus, c'est type R, là, qu'on attaque, donc ça va tuer même... Enfin, ça va toucher même la personne derrière. Ah, ça fait pas super mal par contre. Je pensais que ça ferait beaucoup plus mal, mais ils craignent pas le spirit, les... ceux de devant. Là. C'est un peu chiant d'ailleurs.
Eh ben. Ils attaquent beaucoup, je trouve. C'est le problème hein, quand on utilise trop les techniques. C'est que ça retarde le tour. Bon, ça va, s'il fait que les soigner. Ils ont l'air de craindre les attaques de type rayon, par contre. Ah non, c'était quoi qui craignait, alors 197 PV, je vais l'attaquer lui, du coup. Quoique... Ouais, non. Je vais attaquer lui, plutôt. Parce que je vais faire double Angel Blow. Donc l'autre, c'est sûr qu'il va mourir. Ah, c'est un truc, hein. PV. Ah, est-ce qu'il craindrait le feu? Ah, on dirait, hein. On dirait qu'il craint le feu. Ouais. Faudrait peut-être que j'apprenne à soigner mes persos aussi. Je joue extrêmement mal là dans cette vidéo. Pas si on la ressuscite maintenant. Bon, ils pourront jamais me tuer de toute façon. Mais... Et lui, il soigne pas, hein, celui derrière. Il soigne que ceux de devant, je pense. Je vais pouvoir les tuer tous les deux. Et sur les points grâce au boost. Voilà. En avoir des points. Fois 4 en plus encore. Bon, le combat était long, mais au moins, j'ai gagné une tonne de points, je pense. Ah ouais. Vous avez vu les points que j'ai gagnés? Prendre à fois 4 et qu'on les tue sur le... Ah ouais, c'est un truc de malade, en fait. J'ai jamais eu autant, je crois. Ok. D'ailleurs, il faudrait qu'on lui apprenne d'autres éthers. J'avais ça, ça. Je crois que l'autre c'est un peu nul. C'était quoi? Ouais, non, Dexterity Done c'est nul. Et là y'a quoi? HP Recovery Max. Ah ouais, c'est pas mal. Et ça, ça. Ça ressuscite. Ok. Et si on prend l'autre? Ah, c'est pas mal aussi. Ah, elle a vraiment que des bons sorts, elle. On va lui mettre. Ok. Et l'autre, c'était... Le truc de ressusciter, c'est pas mal non plus. J'ai pas assez pour l'instant. Ça, on va garder quand même. Enfin, Medica tout court, ça sert à rien, en fait. On va l'enlever. Ça, c'est super fort aussi. Je le dis jamais, mais c'est super fort. Et ça, faudra pas oublier de le remettre. Queen's Kiss. D'ailleurs, je vais le remettre tout de suite. C'est pour voler.
Et lui, qu'est-ce qu'il a? Waouh. Ça c'est fort mais c'est cher. Pour le évoluer. Ok, ça c'est ouais, que des sorts élémentaires je pense. Ça m'intrigue les 900, j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière. C'est dommage qu'on puisse pas regarder. Et sinon, il a quoi? Ouais, c'est feu ou foudre. Donc lui, il a vraiment tous les éléments. On peut lui mettre Flamewing. Juste pour voir ce qu'il y a derrière. Ouais, parce qu'il y a un autre sort. En fait, dégâts, c'est rouge. Tout ce qui est soin, enfin, altération d'état et tout, c'est violet. Et les trucs de soin, c'est vert. Ok. C'est bon. On est bon, on est bon. Alors. Comment on fait déjà pour aller là? Donc eux ils craignent le feu. Ah ouais, mais c'est encore ce combat qui va durer 1000 ans là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Place. Ça presque rien les dégâts que je vais faire parce que il va tous les soigner mais ça touche quand même au moins celui de derrière et c'est le plus mal. Et je vais garder le boost pour le bon moment. Juste après ça. Ah mince, il les soigne maintenant. Je ferai que les soigner après. Donc ils ont toujours trop de vie là. Est toujours pas mort celui de derrière? Non. En vrai, ils ont une bonne technique parce que t'as les trois devant là qui te mettent des altérations d'état et qui résistent bien. Et à côté, t'as l'autre qui soigne tout le monde. Comment je fais? Est-ce qu'il va les soigner bientôt quoi? Ah, c'est juste ces deux-là qui vont attaquer. Ah ouais, donc on va refaire boost sur lui. On va attendre le prochain et après on va tous les tuer d'un coup. Ah là ils sont foutus. Ah non mais c'est lui qui soigne! Putain je comprends rien. Je pensais pas. Ah ils vont pas mourir. Pourtant j'avais regardé, c'était pas lui le... Le tour d'après, bon c'est pas grave. Ça va moins te laisser derrière, je pense. Vraiment, là, ma technique est parfaite. Là. Ok, c'est bon, ils sont foutus. C'est lequel qui a le moins de vie, ok. J'espère que ça va tous les tuer. Là, ça, vous voyez, c'est une bonne utilisation du boost. Ah, bien, bien.
Dommage, je fais que x2, mais... C'est pas possible. Elle est encore morte. Voilà, j'avais monté de niveau, ça continue comme ça. Hein. Alors... Quel carnage. Attendez, on va juste faire un truc. Voilà, et on va monter la puissance de l'attaque. Voilà, elle est à 600. Elle a gardé quoi? Elle a gagné quoi? 7 éther damage deux fois, bon, on gagne. Ok. Je comprends rien. Time effect. Ok, j'ai rien compris. 7 éther. Ah, c'est genre elle met un truc d'éther qui se déclenche après, c'est ça? Non, ok, c'est un éther qui met une bombe, je pense. Et qui fait dégâts x2 contre les gnosis et les biologiques, mais... C'est pas trop compréhensible, hein, on va pas se mentir. J'ai juste allumé ça parce qu'il y a beaucoup de types feu, mais... Je pense que je vais encore garder ces points. Pour quand elle aura l'attaque de zone. C'est trop fort dans le jeu. Alors... Je pense qu'eux ils vont moins résister quand même. Ah, j'ai l'occasion d'en tuer un. Le calbonus de poing, on va essayer. Je sais plus ce qu'ils craignent. En fait, je devrais mettre la GWS au cas où, mais. Non, ça va pas suffire. Après, ils ont beaucoup moins de vie que les autres, donc ça devrait être plus simple. Alors, s'ils craignent le spirit, par contre, ça va faire mal. Non, ils craignent pas. Par contre, c'est sûr que ça va les tuer quand j'en vais en faire deux. Je vais la mettre dans son AGWS, elle m'énerve. Elle prend trop cher. Mais pourquoi il l'attaque tout seul en plus? Merde. J'aurais pas les points, c'est chiant. Là, je peux tous les tuer, mais. Allez, on le fait quand même. Pas perdre trop de temps non plus. Si j'étais en vidéo là, je l'aurais fait en sorte de tous les tuer sur les points bonus. J'ai l'impression qu'à remonter la technique de un niveau, ça a quand même bien monté les dégâts. Ouais, vous avez vu la différence de points. En fait, vaut mieux faire un combat avec point x4 que 4 combats, j'allais dire, mais non, en fait, c'est pareil. Ça équivaut à 4 combats, quoi. Donc, si vous avez point x10, comme vous avez fait 10 combats, quoi. Malheureusement, c'est que de la chance. On va soigner, toujours. Pour rappel, on est millionnaire, hein, donc on s'en fout un peu des trucs qui s'achètent comme ça. Alors, je pense que je suis pas allé au bon endroit. Ah, si, c'est bon. Oula.
Ah oui, alors eux, ils craignent quoi déjà? Je t'en rappelle plus. Ah, c'est avec Junior que je l'ai tué tous. C'est le pire ce qu'ils craignent, je me rappelle. Ah, bah pas que, apparemment. 171 PV, je vais tenter de tuer l'autre. Par contre, il y a celui du mieux qui contre-attaque, faut faire super gaffe. Ah, ça fait super mal en plus. Ah, lui il est vraiment dangereux. Il dit pas qu'elle va encore mourir. Non, ça va, c'est celui qui attaque. Je tente ou pas? Je risque de tous nous tuer, mais. Ah, bah non, il a double attaque, c'est bon. Et non, t'auras pas le temps de contre-attaquer mon pote. Quand même, les combats sont quand même plus courts une fois qu'on les attaque de zone. Hein. Et qu'on peut les faire deux fois de suite. Vous en faites pas, je sais que vous en pouvez plus des combats là, ça fait 4 vidéos que qu'on enchaîne, mais promis, c'est vraiment la fin. Ah là, la blue te passe enfin. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne? Je suis pas au bon endroit. Personnage, tac, tac. Donc la Blue Topaz, elle nous donne Veil. Et ça, c'est anti-Veil. Veil, c'est... Qu'est-ce que c'est déjà? Ouais, c'est ça, c'est de la défense contre les terres. On va lui mettre, du coup... Veil. Ah non, mais c'est pas Veil. Je suis en train de faire Veil alors que c'est Blue Topaz. Ouais, et ça fait quoi du coup? Je crois que je me renseigne quand même sur les terres d'eau de machin parce que j'ai l'impression que c'est à double tranchant le truc. C'est-à-dire qu'on se prend moins, mais on fait moins aussi. Bon, on va voir. Je vais quand même penser à lui mettre. Je crois que l'anti-confusion sert plus à rien là. On va lui remettre l'anneau de la Sifrine. Ouais, voilà. Parce qu'on en aura besoin. Contre les boss, maintenant faut tout le temps les voler. Parce qu'ils ont tous des très bons objets. En vrai, je kiffe vraiment détruire les trucs avec le PDA dans le jeu. Allez hop. C'est par où maintenant? Non, ici y a rien. C'est par là? Non. En fait, je vois rien, j'aurais dû fermer mes volets avant de... Attendez. Soit je suis aveugle. Soit je suis con. Mais je vois pas le chemin.
C'est par là, mais par là on y est déjà allé, non? Attendez. Ah, mais c'est peut-être... En plus, je me souviens que je m'étais déjà perdu là, la dernière fois que j'avais joué. Ah, voilà, c'est là. Ok, lui, c'est facile. Et là, normalement, on peut le tuer assez vite. Oh non, putain, il va attaquer de derrière. J'aurais pas dû l'attaquer. Il a le contre-boost. Est-ce que ça va le tuer? Non. Oh, ok, au sol, le MVP, putain. Allez, salut. Il est vraiment trop puissant, c'est pas ça. Et après, on retrouve le petit lapin avec son jus de carotte. Qu'est-ce que je fous là, putain? Non, on peut pas les esquiver. Bon, ça va, on les tue assez rapidement. Ok. Non, il donne pas beaucoup de points. Dommage. Elle est quand même pas très résistante, Chion. Hein. Elle prend beaucoup trop cher. On devrait pas lui mettre. Quand même vérifier quoi. Elle a bien le bon truc là. Ah, elle a pas mieux. Hein. Bon. Après, on peut lui mettre le truc là qu'on a mis à Ziggy. Qui permet de. De 20% contre les types hit et slash, je crois. Je regarde s'il y a pas des trucs par là. Ok. Alors vous l'avez compris, il faut aller chercher du jus de carotte pour le. Pour le choper. Ouais, mais allez. Et ceux de derrière aussi. Ah, ça va être chiant. Après le truc du lapin, c'est bon, les combats sont finis. Alors, Ether Boost. Sur lui. Les attaques de zone là de plus haut niveau
elles sont beaucoup plus compteuses en temps que celles d'avant. C'est-à-dire que si vous prenez une technique que vous avez eue avant, ça se recharge plus vite. Votre tour. Super jeu de carottes. Ah, il faut pas se louper. Je me rappelle que c'était assez chiant le truc déjà. Le truc du lapin. Okay, here we go. Ouais, faut aller sous le pont. Et c'est parti pour le lapin. Ça va être chiant ça. Merde. Presque. J'ai un peu mal géré, j'avoue. On en a 4, donc ça veut dire que si on se loupe, faut retourner là-bas en chercher. Et donc il y aura des combats. Ah, il est chiant parce qu'il a des œufs dans le dos, quoi. On va y arriver. On va bien analyser cette fois. Voilà. Il y a vraiment des œufs dans le dos. Fais pas du tout flipper. Ah, sans blague. Voilà, décodeur 3, donc c'était hyper important. Et ça y est, on en a fini avec ce donjon. Enfin, presque. Alors... On n'a plus qu'à aller en haut. C'est pas par là? Débile ou... Oui, je suis débile. Non, on dirait pas, mais en fait, je vois rien sur l'écran là. Faut que je baisse mes volets. J'ai monté la lunette à fond et je vois toujours rien.
Is that a church? Junior! How did you all get here? Beats me. As soon as you dived, everything went all hazy. And the next thing I knew, we were here. After that, there were all sorts of visions. Did we all get pulled into the Chief's encephalon dive? That's impossible. None of you were connected. If Cosmos Oscillation Pulse caused a countercurrent to flow through the dive unit, it's not inconceivable. The ones we use are non-contact types, after all. Even if that were the case, the simple dive unit couldn't handle that great a load. There would have to be some other external force. I've been waiting a long time for all of you. Regardless of how we got here, this is Cosmos' mainframe. Our memories found a common resonance within her, and resulted in the creation of this world. That's what it feels like to me. But I don't remember ever being in a place like this. I wonder if perhaps memories, in other words, events that occurred in the past, become stronger, more selective, and gain a higher priority when they resonate with others that share identical axes in time and space. If you think about it in those terms, it isn't quite so odd that both my memories and those of Alan are not reflected here. So, what you're saying is, this world is constantly changing based on the experiences people share in time and space? A world made up of our past, as glimpsed through the mind of Cosmos. So, it's all an illusion? There's no difference between illusion and reality to the person experiencing it. This is no illusion. Chief. All of you must accept the entirety of your memories. So that's what she meant. Et voilà, donc on comprend qu'on est en fait donc bien dans les souvenirs de Junior et Sean. Pourquoi Junior et Sean? Parce que comme ils expliquaient, ce monde est un peu créé en fonction des souvenirs des gens. Mais là, ils rentrent en résonance les deux parce que ils sont passés, leurs souvenirs douloureux sont passés au même moment et au même endroit. Donc ça a pris la priorité sur les souvenirs des autres personnages. Et c'est pour ça que ça a créé ça et pas les souvenirs de quelqu'un d'autre. Et donc là, on va arriver dans une église. Alors, faut surtout pas aller dans le portail là que vous avez vu, parce que sinon ça vous renvoie en arrière en fait. Et dans cette église, je crois que je vais sauvegarder avant, parce que je me souviens plus s'il y a un point de sauvegarde. Ça sert à rien d'aller là, hein, je voulais juste voir s'il y avait quelque chose. Ouais. Donc, ces souvenirs, cette église est liée au souvenir de Sean. Et ben je vais vous laisser ici, et à la prochaine vidéo, on aura les gros souvenirs très importants dont je vous ai parlé, même si on comprendra pas tout, parce que c'est des bribes de souvenirs, et après une très grosse scène. Donc ben je vous laisse là, et la prochaine vidéo ça va être que du bon côté histoire. Allez, à la prochaine vidéo, salut!